Beaucoup de gens sur Internet n'arrivent pas à monétiser leur talent, à bien vivre, parce qu'ils ne comprennent pas que Internet a des lois et des principes auxquels il faut se soumettre. Ok? Je vais te montrer un système rapidement pour t'aider à comprendre la stratégie qui est cachée derrière chacune des vidéos que je fais et derrière chacune des vidéos que certains leaders font. Je vous ai dit, je n'ai pas besoin d'avoir des milliers de followers, des centaines de milliers pour faire de l'argent sur Internet, d'accord? J'ai juste besoin d'avoir 1000 abonnés qui sont des vrais abonnés. D'accord? Je vais vous montrer un peu quelque chose. Donc, on va sur mon ordinateur. Voilà comment les choses se passent. Regardez. Il y a un système que vous devez mettre en place derrière chacune de vos vidéos. Peu importe les vidéos que tu fais, si tu marches dans un restaurant, tu marches dans la rue, tu marches, tu es dans ton bureau comme je suis actuellement, tu es dans ton salon, il y a un système derrière. Même si tu fais une vidéo de 2 minutes, il y a toujours un système derrière. Vous avez remarqué, dans mes vidéos, je demande toujours aux gens de cliquer dans mon profil. D'accord? Voici le système de monétisation. Quand tu veux monétiser tes talents, j'ai enseigné ça au Gabon lors d'une de mes conférences. Les gens étaient vraiment bénis. Ça a concerné même des pasteurs qui avaient besoin de vendre leurs livres. D'accord? Donc, voici le système de monétisation. Voici les followers qui viennent. Ils doivent entrer dans une sorte d'entonnoir ou de tunnel qui va vous donner de l'argent avec le temps. D'accord? Là, on a donc ce qu'on appelle, on appelle ça une échelle de valeur. D'accord? Voilà. Maintenant, ici en haut, vous commencez par quoi? Par une vidéo, un podcast, un article blog sur Internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup la vidéo qui marche. Prenons par exemple le cas de la vidéo. Tu es sur TikTok, tu fais des vidéos gratuites, tu parles de certains problèmes que les gens ont. Tu fais environ 3 vidéos par semaine et un direct. Bon, tu peux faire plus, ça c'est un minimum, d'accord? Quand tu fais la vidéo, dans la vidéo, tu proposes quelque chose de gratuit aux gens. Ça peut être une vidéo, un webinaire, un e-book, un PDF, une brochure, une astuce, dégustation, échantillon, audio, consultation, appel et découverte gratuit. Et quand tu fais ça, les gens téléchargent et tu captures leur email. Quand tu captures leur email, maintenant, tu amènes ça dans un système, d'accord? Où tu peux commencer à avoir une conversation avec eux, une relation en privé. C'est pour ça que les abonnés qui sont dans ma newsletter ont beaucoup d'astuces par rapport à ceux qui sont sur Internet, d'accord? Donc, tu bâtis une relation privée avec eux. Et un jour maintenant, alors que tu as déjà bien bâti une relation avec eux, tu leur fais une offre. Tu offres quoi? Des produits, des services, des formations, des ateliers, des coachings, des livres, des chaussures, tout ce que tu vends en fait, d'accord? Je vous ai dit que la relation privée, c'est quoi? La relation privée avec les gens, c'est la newsletter, les astuces, les conseils inédits. D'accord? 20 pouces, 20, la loi de 20-80. D'accord? 80% de ton temps, tu dois être sur Internet, même en vidéo, en train de donner des bonnes astuces aux gens. Dans mon cas, par exemple, quand je fais la vidéo, comme ça, je donne des astuces aux gens. Je fais tellement de bien aux gens en appliquant la loi des 20-80 de Pareto. En faisant que 80% de mon temps, je bénis les gens, je fais du bien aux gens. Les gens sont contents, ils sont rassasiés, ils veulent aller un peu plus loin avec moi, d'accord? Et c'est là maintenant que bah, tu peux leur proposer des formations, des produits, même de la nourriture, même si tu vends de la nourriture en fait, d'accord? C'est pour ça que c'est important pour un entrepreneur d'avoir dans ses vidéos des conseils, même si tu vends des habits, tu vends des chaussures, donne des conseils autour des chaussures, comment porter les chaussures. Quelle couleur de cirage mettre sur la chaussure, quel pantalon accordable les chaussures. En fait, dans ton domaine, donne des conseils. Les gens ont besoin de conseils, d'accord? Voilà. Vous avez compris le système, non? Donc, tous les jours, je fais des bonnes vidéos de qualité, des vidéos profondes, parce que je suis un expert dans ce que je fais, d'accord? Je maîtrise ce que je fais. Je maîtrise bien ce que je fais. Et quand les gens regardent mes vidéos, ils ont une opportunité d'aller appliquer les astuces tout de suite et ça transforme leur vie. Maintenant, quand je fais ça, il y a un lien entre eux et moi qui se crée. D'accord? C'est la loi de la réciprocité. Les gens se sentent redevables avec vous quand ils voient que vous les avez aidés. Quand vous aidez vraiment les gens dans la vie, ils vont oublier la concurrence. Ils vont travailler avec vous. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que chaque jour, maintenant, quand les gens s'inscrivent sur ma page, j'ai leur email. Maintenant, j'ai le temps de les appeler, de proposer des offres, de leur envoyer des mails tout le temps. Et c'est comme ça que chaque fois que j'ai des événements, des chaussures, des conférences, ils viennent en fait, ils achètent des livres. C'est ça qui fait que tu as de l'argent tout le temps. D'accord? Ça, c'est ce que j'enseigne dans mon académie de Côte d'Ivoire. D'accord? Je voulais vous donner une astuce parce que les gens, ils se disent que, oh, pour faire de l'argent, il faut aller sur Internet. Non, il y a d'autres stratégies.
Même on a dit aux gens, il faut aller sur Internet, il faut raconter des histoires. Mais il y a une façon de raconter des histoires. D'accord? Il faut que tu puisses créer de la résonance avec ton audience, que tu puisses créer un pont avec eux, qu'ils se sentent bien avec toi en fait. Lorsqu'ils sont bien avec toi, ils sentent que tu les aides et se reconnaissent en toi, tu vas vendre à ton audience les produits tout le temps. Dès que tu vas sortir un nouveau produit, ils vont acheter. J'ai remarqué une stratégie que Apple fait. Apple n'est pas trop à fond dans l'acquisition de nouveaux clients. D'accord? Apple, qu'est-ce qu'ils font? Apple va réveiller leurs anciens clients constamment. C'est pour ça que lorsqu'il y a un nouveau produit, un nouveau casque, un nouvel ordinateur, un nouveau système, Apple envoie une newsletter, un mail à tous ses clients de depuis des années en fait. Et les gens ne font que racheter. Donc vous avez déjà les abonnés. Vous avez les gens qui vous ont suivi. Si vous n'avez pas leur email, comment vous allez pouvoir continuellement causer avec eux et leur faire des offres en fait? D'accord? Suis mon conseil. Maintenant, quand tu as des gens qui t'ont écrit en privé, qui ont ton email, qui sont intéressés à toi, qui ont goûté à tes produits gratuits, peut-être à dégustation de ta nourriture, parfois tu peux faire, si tu es une restauratrice, non, tu fais un service à toi, tu peux créer des dégustations gratuites où tu invites tes abonnés de venir goûter un peu. D'accord? Et ils ont une bonne expérience avec toi. Ça fait que lorsque tu auras peut-être un nouveau plat, un nouveau restaurant, tu vas pouvoir les contacter. Et de temps en temps, tu peux aussi leur écrire pour leur demander s'ils ont des événements à venir. Ils ont un événement, c'est vous qui vont contacter en fait. C'est le même système qui marche partout. OK? Le marketing, le business, ce n'est pas une question de vente. C'est une question de bâtir les relations. Bâtir les relations authentiques. Faites du bien aux gens avec votre contenu. Transformez les gens. Mais ne transformez pas au hasard. Ne vous mettez pas sur Internet. Vous bavardez sans avoir un système d'opération productive comme je vous ai montré en fait. Il y a beaucoup de gens, ils comptent sur la Providence, ils se mettent sur Internet, ils font des vidéos, ils attendent à ce que les gens viennent leur écrire en inbox pour travailler avec eux. Il y a beaucoup de choses qui entravent le chemin d'une personne qui veut travailler avec vous. Il y a les urgences, il y a les imprévus. Il y a des gens qui écoutent votre vidéo, ils veulent travailler tout de suite avec vous, ils ont l'argent même. Mais si vous n'avez pas mis un système où vous pouvez rappeler la personne, vous pouvez contacter la personne, vous pouvez avoir une conversation en privé loin de Facebook avec des gens, vous faites comment? D'accord? Il y a aussi des gens, si Facebook ferme, TikTok ferme, YouTube ferme, leur business est fini. Normalement, tu dois avoir une base de données, en fait. Tu dois avoir des milliers de prospects, de personnes qui sont venues sur ta page, que tu peux rappeler en privé. Tu as juste besoin d'avoir ton site internet et tu leur écris avec ton téléphone, en fait. D'accord? Mais pour ça, il faut pouvoir bâtir un système. Et nous, on enseigne cela, en fait. D'accord? On peut vous enseigner cela. Je peux t'aider en ça. C'est en ça que j'aide des coachs. Et j'ai dit, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de gens. Tu as besoin d'avoir seulement 1000 personnes. Imagine, tu as 1000 personnes qui te suivent, des vrais. On va dire, peut-être tu as 10 000 abonnés sur TikTok, mais tu as 1000 personnes vraies qui aiment ce que tu fais. Gars, ce sont des revenus tout le temps. D'accord? Ce sont des revenus tout le temps. L'autre jour, j'ai mis un système en place, ça n'a même pas encore fait une semaine. J'ai déjà collecté près de peut-être 80, plus de 80 personnes qui sont intéressées par ce que je fais, qui veulent travailler avec moi. Vous comprenez? Et tout ce que j'ai à faire maintenant avec mon équipe, c'est juste de les appeler. Les appeler, leur envoyer des mails, les appeler, voir si on peut aller avec eux. Certains vont dire qu'ils veulent acheter maintenant, d'autres vont dire qu'ils veulent acheter après parce qu'ils n'ont pas encore l'argent, ils se préparent. Donc, je fais ça tout le temps. Chaque fois que je fais des vidéos, c'est un système qui tourne en fait. Ça va t'empêcher de bavarder beaucoup sur Internet et d'être frustré et de dire qu'Internet ne marche pas. Internet a ses lois que tu dois connaître. Clique en haut dans mon profil sur TikTok et tu vas voir un onglet appelé. Rendez-vous de découverte gratuit et je vais travailler avec toi. Pour 20 minutes, je vais t'aider un peu. D'accord?